Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le résumé de l'étape 20, Megève-Morzine. Donc, c'est l'avant-dernière étape. Et demain, donc, la dernière étape. Allez, c'est parti. Sans relever de l'incongruité, l'Espagne n'avait pas encore vu un de ses coureurs s'imposer cette année. Yonis Aguirre a donné un peu de relief autour de l'équipe Movistar en s'imposant dans la dernière étape alpestre. Parti au long cours avec une trentaine de coureurs, le Basque a d'abord géré son effort dans la terrible montée du col de Jouplane avant de déposer ses derniers compagnons d'échappée dans la descente toboggan vers Morzine. À 27 ans, Aguirre remporte le plus beau succès de sa carrière. Cela commence à devenir une habitude sur le Tour, une étape de montagne à la veille du défilé sur les Champs-Élysées. Cette 20e étape est courte, mais très dense, avec pas moins de 4 difficultés répertoriées, soit autant d'opportunités de faire bouger les lignes au général, puisqu'au départ de Megève, seulement 1 minute et 6 secondes séparent le 2e Bardet du 5e Porte. En attendant, et sous la pluie, l'échappée du jour est composée de certains grands battus de vendredi, par exemple Ricosta ou Pierre Roland. Ce groupe d'une dizaine d'hommes explose à mi-course dans le col de la Rama à l'initiative de Thomas de Ghent. Le coureur Lotto-Soudal passe seul au sommet de la Rama avant-dernier, juge de paix de cette 103e édition. Dans la descente, de Ghent est rejoint puis dépassé par deux autres coureurs très en vue sur ce tour avec des fortunes diverses, Charlison Pantano et Julian Alaphilippe. Le duo franco-colombien lorgne la victoire d'étape, c'est sans compter le réveil de deux membres du groupe de poursuivants dans le col de Jouplane, Vincenzo Nibali et Yonis Aguirre. Les deux hommes ne tardent pas à rejoindre la tête et imposent leur rythme, de quoi décramponner Alaphilippe dans les derniers hectomètres de grimpette du jour et du tour. L'étape va donc se jouer entre Nibali, Pantano et Aguirre dans les 10 km de descente ultra glissante vers Morzine. Dans cet exercice d'équilibriste, Nibali semble le plus fort sur le papier, mais c'est Yonis Aguirre qui se montre le plus à son aise. Le Basque imperturbable réalise la descente parfaite pour glaner son deuxième succès sur un grand tour, pour finalement 19 secondes d'avance sur Pantano, 42 sur Nibali. Derrière, pas d'attaque dans le groupe maillot jaune, Romain Bardet reste le dauphin de Froome. C'est impressionnant, c'est une échappée difficile avec des coureurs de talent, mais les gens ont répondu et ça nous a permis de conclure de la plus belle des manières. Ça nous rend heureux. Ça se termine bien pour nous, nous sommes venus avec un rêve jaune, mais les Sky se sont montrés plus forts. Alors une victoire d'étape pour l'équipe et un podium à Paris, c'est phénoménal. Régulièrement à l'attaque au cours de son premier Tour de France, Julian Alaphilippe n'aura décidément pas été récompensé. Le coureur Etix Quickstep, lâché dans la dernière ascension, termine quatrième devant un autre grand combatif sans victoire sur ce tour, Rui Costa. Ouf de soulagement sur la ligne pour Chris Froome qui aura su éviter les pièges sous la pluie pour défiler en jaune à Paris dimanche. Nouvelle journée calvaire en revanche pour Bauke Mollema qui cède encore 5 bonnes minutes au groupe Froome. Après 3420 km d'efforts, les 113 derniers ne seront pas les plus éprouvants. Voici l'heure du défilé symbolique des coureurs autour de Paris. Départ de Chantilly dans l'Oise et passage par les Hauts-de-Seine pour rejoindre les pavés parisiens. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour le résumé de la dernière étape. La dernière étape qui sera Chantilly, Paris, Champs-Élysées. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour le résumé de l'étape 21. Ciao, bye bye.